Robert Favreau, bonjour. Bonjour. Et si je vous demandais qui êtes-vous, tout simplement ? Je suis un chercheur amoureux d'histoire et soucieux de la faire passer les connaissances et enrichir les connaissances sur l'histoire. On est où ici ? Nous sommes au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale qui a été fondé en 1953 pour l'étude de la période essentiellement romane en raison de la richesse de l'art roman dans la région. C'est votre maison ? C'est ma maison. Pas d'origine, mais c'est devenu ma maison. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Ici, j'ai été étudiant ici en 57-58, donc au tout début, et j'y suis revenu comme enseignant en 1969. On revient de Chypre. Avec oui, Estelle. Je connais aussi. Et je voulais vous demander, donc cette mission graphiste qu'elle mène, quelle est son importance à vos yeux ? Ben je pense que c'est un domaine qui reste encore à défricher, parce qu'on n'a pas vraiment traité le problème dans son ensemble. Or, la présence des Occidentaux dans le Moyen-Orient a été importante au 12e le 13e siècle surtout, et je pense que cela, il y a encore beaucoup de choses à dire. Quel genre de lacunes cela peut-il combler dans votre esprit ? Ça ne peut qu'élargir notre champ de connaissances, et on n'a jamais intérêt à réétudier de façon trop ponctuelle. Il faut vraiment regarder les choses dans son ensemble, surtout que la civilisation médiévale est une civilisation qui est une pour tout l'Occident. Et c'est pas une civilisation propre à une région particulière. Vous êtes beaucoup parti sur le terrain, vous, dans votre carrière ? Sur le terrain, pour l'épigraphie, oui. J'ai fait, je sais pas, plus de 40 000 kilomètres en France pour, avec ma voiture, pour chercher et photographier les inscriptions qui subsistent. À l'étranger aussi, ou en France ? Alors, à l'étranger, j'y suis à l'occasion de nombreux congrès. Je suis allé une douzaine de fois en Allemagne, autant en Espagne et en Italie, et puis aussi en Pologne, enfin en Belgique ou autre, pour des colloques, pour des liens avec les collègues épigraphistes. Car je pense que là aussi, le travail en collaboration avec les collègues est très enrichissant. Quand vous partiez sur le terrain en mission en France, en mission épigraphiste, on va dire en gros, comment vous envisagiez cette mission ? Comment vous organisiez ? Alors, j'étais enseignant à temps complet à la faculté des lettres de Poitiers. J'étais aussi père de 6 enfants, donc je travaillais aussi à m'occuper. Donc je partais en mission à la fin des cours et avant les oraux. Donc à la fin mai, il y avait une quinzaine de jours, et là, tous les ans, je prenais la voiture, je prenais toujours désormais des breaks, si vous voulez, pour pouvoir emmener tous les appareils avec le collègue qui m'accompagnait. Vous ne partiez pas seul ? On partait à deux. Qui était la seconde personne ? Avec qui vous partiez ? Je partais avec l'agent CNRS, qui avait été installé ici à Poitiers pour suivre le travail de l'épigraphie, donc en 1969. Quand vous dites je prenais du matériel, c'était quoi le matériel ? Quel est le matériel de l'épigraphiste ? C'était pas encore à l'époque du numérique. Donc c'était les appareils photo, les éclairages, et ce genre de choses. Oui, ça veut dire que vous documentiez ce que vous trouviez grâce à la photographie aussi. C'était l'outil technologique primordial. Le documenter, c'est difficile. Toutes les recherches étaient faites avant pour localiser les inscriptions. Bien sûr, on en a trouvé sur place d'autres qui n'étaient pas connues, mais enfin, essentiellement, le travail était préparé à l'avance. L'important, c'était d'avoir des photographies pour pouvoir faire des relevés précis et pouvoir étudier aussi l'écriture et pouvoir dater les inscriptions qui n'étaient pas datées. Donc, il fallait les originaux.
l'étude que l'on fait devant l'objet, devant la matière, et l'étude que l'on fait après à partir de la photographie. Les renseignements ne sont pas les mêmes de ce que l'on tire de ces deux objets d'étude. Qu'est-ce que vous trouviez sur la matière sur place et qu'est-ce que vous pouviez compléter après à l'étude de la photographie? On ne pouvait pas rester pendant deux heures, trois heures sur une inscription pour l'étudier sur place. Il n'y avait pas le temps. Parce qu'il fallait couvrir toute la France et nous n'étions que deux. Et moi, c'était un travail purement bénévole. Donc, voilà. Donc, on emmagasinait sur place tous les renseignements qu'il fallait, longueur de toutes les mesures, la situation précise, très bien localisée, et puis toutes les photos. Et c'est après le retour que nous faisions le travail d'édition, si vous voulez. Sur la mission graphiste en Chypre, Estelle a constitué une équipe un peu pluridisciplinaire. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'histoire de l'art, etc. Et il y a aussi un tailleur de pierre. Oui. Qui suit. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça ne peut qu'être profitable. Ça ne peut être que bon. Mais pour nous-mêmes, dans ce que nous avons commencé, il ne faut pas oublier que c'était vraiment le tout début de l'épigraphie. Il n'y avait rien quand j'ai commencé l'épigraphie. Donc il fallait faire des relevés les plus précis possibles et publier de la meilleure façon possible. Mais si on devait recommencer aujourd'hui avec tout l'acquis qu'on a par derrière, on ferait autre chose, on ferait quelque chose de mieux. Ça, c'est tout à fait évident. Quelle est l'exigence que doit avoir l'épigraphiste quand il est sur le terrain et qu'il va rencontrer une inscription? Mais il faut être fidèle au texte tel qu'il est, à l'emplacement où il est, pourquoi est-ce qu'il a été placé à tel endroit plutôt qu'à tel autre, voir aussi la façon dont il est disposé. Je me souviens d'une inscription, je crois que c'était dans les Landes, où personne n'arrivait vraiment à lire le texte, mais on le lisait mal. C'est-à-dire qu'il y avait une écriture d'un côté, et puis une autre à côté, une autre par-dessus, il ne fallait pas lire tout ensemble. Et en arrivant sur place, c'était évident. Donc il y a des choses comme ça qui sautent aux yeux. Et puis, bon, il faut pouvoir revoir de très près quand il s'agit d'inscriptions qui ne sont pas en bon état et qu'il faut, je ne dis pas deviner, mais qu'il faut aller plus loin que la photo. Enfin, il faut vraiment regarder de très très près. Alors là, on prend davantage de temps et c'est évident qu'il faut être très attentif à ce moment-là. Vous êtes un peu jaloux justement de ces progrès technologiques qui permettent aujourd'hui de déceler était indécelable à l'époque. Pas du tout jaloux. Pourquoi? Au contraire, j'en suis très très heureux. Ça, c'est évident. On peut faire des merveilles maintenant, hein. Des choses qu'on ne pouvait pas faire jadis. Ça, c'est clair. Alors, on dit qu'il y a l'école allemande de l'épigraphie. J'ai entendu que les Allemands s'arrêtent dans leur étude, et là où les Français commencent finalement à étudier les inscriptions, qu'il y a des méthodes différentes, et que les Français vont plus loin dans l'interprétation, dans la contextualisation peut-être des inscriptions, pour essayer de comprendre un peu plus. On parle d'un mot, d'une certaine écologie de cette inscription, de son environnement. Est-ce que c'est ça alors, qui différencie ces écoles? Il y a des différences entre chaque pays, ça c'est clair. Ce que l'on fait en France, ce n'est pas ce qu'on fait en Allemagne, ni ce qu'on fait en Espagne, par exemple. Mais les Allemands qui ont commencé bien avant nous, qui sont 50 ou 60 à travailler sur l'épigraphie, là où nous ne sommes que un ou deux. Les Allemands avait le souci de relever les textes jusqu'au XVIe siècle, donc c'est vraiment, ça part de beaucoup plus tard que pour nous, mais ça va beaucoup plus loin en avant, et il s'occupait essentiellement de dater les inscriptions et de donner les bibliographies les plus complètes possibles. Mais l'interprétation des inscriptions, ce n'était pas vraiment leur affaire. Et je me souviens très très bien que dans les
congrès annuel auquel je participais, parce qu'ils faisaient des congrès, des colloques annuels, se retrouvaient tous les épigraphistes. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de leur présenter des travaux sur l'épigraphie en utilisant des domaines qu'eux ne soupçonnaient même pas. Je me souviens par exemple pour la liturgie, j'ai fait une communication sur les inscriptions et la liturgie est indispensable pour pouvoir comprendre tout ce qui fait dans les inscriptions, puisque ce sont surtout des inscriptions dans les églises, évidemment. Ça a été une découverte pour eux. Donc je pense que là, c'était vrai aussi en Espagne d'ailleurs, je pense que là, dans la façon dont nous avons pris, dont j'ai pris les inscriptions tout à fait au début, c'est-à-dire voir le plus large possible, toutes les disciplines qui peuvent concourir à comprendre ce que les gens de l'époque, en se mettant à leur place un petit peu, autant qu'on peut le faire, ont voulu nous laisser comme témoignage, et en prenant très très large, j'ai toujours fait travailler sur l'épigraphie sur tout l'Occident. On s'enrichit mutuellement, et je crois que c'est important, et ça ouvre les horizons. Et je crois que ça, au moins, l'épigraphie française a aidé mes collègues à s'ouvrir aussi dans ce domaine-là. Ouais. Vous parliez d'interprétation, de l'idée d'essayer de se mettre un peu à la place des oui. personnes à l'époque. Ça introduit une forme de subjectivité dans l'étude. Comment on fait pour que cette subjectivité puisse aussi épouser une certaine rigueur pour que cela reste quand même un objet scientifique et que l'on ne parte pas dans une interprétation poétique, peut-être, de l'époque? Oui, bah, c'est pas mon genre. c'est pas mon genre. Nous, on est toujours subjectif. Nous sommes subjectifs. Mais nous étudions ce que les gens ont voulu dire. Et ce qu'ils ont été obligés de dire en peu de mots. Parce que l'épigraphie, on ne peut pas faire des pages et des pages comme pour un volume. Donc il faut essayer de comprendre ce qu'on a voulu dire en très peu de mots. C'est souvent une ligne ou deux lignes. Et donc ça, il faut se mettre à l'écoute de ce qui était présent à l'époque qu'on étudie. Je me souviens d'une inscription sur une patène qui est au musée du Louvre, qui était datée tardivement, vers 1200, qui était donnée à peut-être France, peut-être, etc. Je suis arrivé à mon... qui n'était pas lu, parce qu'elle était fautive. Le graphiste, celui qui avait écrit, c'était trompé sur trois mots, donc ça rendait le sens absolument incompréhensible. Et par comparaison avec des inscriptions qu'on trouvait en Allemagne et en Suède, également sur des patènes, j'ai pu rétablir le sens de l'inscription. Et l'inscription, c'était des patènes, c'était un calice, c'était une inscription qui répondait aux controverses théologiques qui avaient lieu au XIe, XIIe siècle sur la présence réelle dans l'Eucharistie. J'ai montré que ça ne venait non pas, c'était pas du XIIe siècle, mais du fin XIe, début XIIe, et que ça venait de l'Espagne, et plus précisément des Asturies, simplement par le fait que le nom du personnage, il s'appelait Pélage, c'est un nom qu'on ne trouve nulle part en France à cette époque, qu'on ne trouve nulle part en Espagne, en dehors des Asturies, c'est-à-dire la seule région que les musulmans n'avaient jamais occupée. Et Pélage est le héros des Asturies qui a fait bloc, qui a arrêté l'invasion musulmane dans tout ce nord-ouest de la péninsule espagnole. Donc voilà, c'est des petites enquêtes finalement qui sont gratifiantes pour le chercheur, mais qui supposent d'être ouvert sur tous les aspects possibles, imaginables. Vous travaillez sur des références liturgiques, sur la référence liturgique des Écritures aujourd'hui. C'est un,
C'est indispensable pour Je travaille sur les références liturgiques, je travaille sur la Bible, je travaille sur les huit saints, je travaille sur les expressions théologiques, sur les hymnes. Là, il y a 150 000 hymnes qui sont répertoriés, donc il faut aussi connaître le maniement de tous ces instruments de recherche. Oui, il faut avoir l'esprit le plus ouvert possible. Et là, on a la chance d'avoir un rassemblement unique, enfin pas unique, mais enfin très rare de tous les instruments de recherche qui peuvent être utiles pour le médiéviste. Au bout du bout, c'est la recherche de la psyché de l'époque, c'est ça que vous... Mais c'est la recherche de pas la psyché de l'époque, c'est la recherche de savoir tout ce que l'inscription peut nous apporter. Donc le sens de ce qu'elle est, quand on prend une inscription en particulier, et puis comme quand on en a vu beaucoup, on peut aussi faire une étude beaucoup plus, synchronique sur toute une période. Un exemple, pour une épitaphe, quand vous vous placez au 9e, 10e siècle, on fait l'éloge du défunt. Le défunt est toujours quelqu'un de très bien, très pieux, très généreux, tout ce que vous voudrez. Bon, très bien, on donne son nom, pas toujours sa fonction. Au XIIe siècle, on commence à donner les noms pour les laïcs de leur seigneurie, pour les prêtres s'ils sont gradués de l'université. Les adjectifs deviennent de plus en plus copieux. Quand vous arrivez à la fin du Moyen-Âge, vous avez des inscriptions où on a tout le cursus du personnage. Il a été ceci, il a été ceci, il a été cela, il était chanoine ici, il était maintenant chanoine là, il a été évêque. Il y a vraiment un curriculum vitae au point que parfois, il n'y a même plus de demande de prière pour le défunt. Il a son état social, ça doit lui valoir évidemment le paradis. Donc on peut faire des études comme ça, complètes, de façon générale. Ça éclaire l'histoire sociale de façon tout à fait importante, d'autant plus que là, on a des éléments localisés et datés. Donc il y a encore beaucoup de recherches à faire dans ce domaine. Et on est toujours, on écrit toujours dans le registre du rapport, au fond, à la religion, ou est-ce que c'est toujours lié à des questions religieuses, vous voyez, je veux dire, c'est essentiellement lié à des questions religieuses. D'abord parce qu'on y trouve toujours, presque toujours les inscriptions dans des églises. Et aussi parce que la civilisation médiévale est une civilisation chrétienne. Tout simplement, tout bêtement. Mais il y a des inscriptions qui ne sont pas propres à la religion. Par exemple, dans des églises de la région de la Drôme, de Montélimar, de Valence, par là-bas, il y a des inscriptions qu'on trouve à la façade d'une église, par exemple, qui rapportent les privilèges qui ont été accordés par le Seigneur aux habitants. Alors on l'a mis à la façade de l'église, tout le monde le voit, évidemment, en entrant, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien de religieux, c'est une communication au public, si vous voulez. Aujourd'hui, on a la publicité, mais la publicité, ça vaut 24 heures ou 3 mois, mais là, c'est des textes qui sont faits pour toujours. Donc il faut voir ça aussi comme ça, c'est un élément très important de la communication pour l'époque. On a parlé surtout des inscriptions sur pierre, là. Mais il y a les inscriptions sur les vitraux, il y a les inscriptions dans les peintures murales, où on a beaucoup plus de place pour écrire. Donc on peut aussi traduire dans une image d'un vitrail ou d'une peinture murale toute une pensée. On peut se rapporter, je cherche un domaine précis, par exemple quelque chose qui se joue dans les mystères, par exemple, de l'époque. C'est le cas à Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, ou bien des rapports entre la Bible, entre l'Écriture et l'iconographie qui est la scène qui est représentée. Tout ça, il y a énormément de choses. Alors, j'ai dit qu'il faut regarder la liturgie et l'écriture de ce que vous voulez, il faut regarder aussi tout ce que les auteurs ont écrit.
là-dessus. Ça, il faut être capable de parcourir des dizaines et des dizaines d'ouvrages latins pour voir quelles sont les sources. Enfin, est-ce qu'il y a une continuité, est-ce qu'il y a des ruptures, vous voyez, dans l'histoire entre l'Antiquité et le Moyen Âge? Il y a des ruptures, oui, mais il y a aussi des continuités très 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 manifestes, parce que le Moyen Âge c'est la période qui est moyenne, c'est-à-dire qui est entre l'Antiquité et la Renaissance. Donc là, on est entre les deux. Mais l'Antiquité est toujours une référence. Et parfois, on a des textes d'auteurs latins qui sont employés dans les églises elles-mêmes et qui peuvent parfois avec un sens qu'on a christianisé. Il y a par exemple un texte de Virgile qui dit voilà, il y a un enfant qui un jour paraîtra et les choses seront toutes nouvelles. Et ça devient l'incarnation. Bon, on le trouve à la façade de l'église de la cathédrale de Laon, ou on le trouve dans les peintures murales de Limousin. Un texte latin. Mais il y a beaucoup, beaucoup de références à des textes latins, et ça, il y a des instruments de recherche qui permettent aussi de le faire. Puis on arrive à avoir une certaine familiarité aussi avec tous ces textes qu'ils employaient. J'ai fait une étude sur la Bible et l'épigraphie. J'ai fait un premier texte, référence à des figures bibliques dans les épitaphes médiévales. On compare les gens à des personnages de la Bible ou à des personnages de l'Antiquité. Ça, c'est clair. Et plus on avance, enfin, pas plus on avance, mais c'est l'Antiquité est toujours connue et rappelée. Mais elle l'est surtout dans le début du Moyen Âge et tout à fait à la fin, quand on commence à voir la Renaissance, si vous voulez. Mais il y a une continuité, c'est évident. Qu'est-ce que ça dit pour vous de ces influences entre les civilisations, parfois entre les religions ou entre quelques branches de religion? On le voit par exemple en Chypre, entre les chrétiens d'Orient et les latins. Qu'est-ce que ça dit pour vous de ces influences réciproques? C'est la vie. C'est la vie, c'est réciproque. Et quand on étudie les inscriptions en Espagne, il faut aussi avoir pensé à la proximité avec les musulmans qui l'ont occupé pendant très 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 longtemps. Alors il y a des choses qui sont, comment dire, qui peuvent nous faire sourire, si vous voulez. Mais par exemple, il y a des inscriptions en caractère grec, à des façades dans l'Espagne, par exemple, que l'on comprend à partir d'interprétation de l'alphabet latin. Si vous voulez, le mot Christ se donne en grec par un X, par un R grec, mais c'est le P latin. On a à la façade d'une église cathédrale en Espagne, à Raqqa, on a une inscription qui n'avait jamais été bien interprétée, dont j'ai trouvé l'explication en recourant à un auteur carolingien du 9e siècle, ce qui avait été reprise au 10e siècle, pas un auteur carolingien, qui était reprise par un autre auteur, cette fois italien, au Xe siècle, où le X et le P, lettre grecque, c'est le CH et c'est le R, de Christ, ont été prises pour des mots, pour des fermes latines, le X et le P français, enfin le P latin. Donc le chrisme, l'initiale du mot Christ, entouré de l'alpha et de l'oméga, première lettre et dernière lettre de l'alphabet, c'est la Bible aussi, qui nous dit que Dieu c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, première lettre et dernière lettre de l'alphabet. Alors avec le P, avec le A et avec le A d'alpha et avec le X, on fait Pax. Pax, ça fait paix, c'est un mot en trois lettres, et c'est,
c'est quand même un seul mot. C'est une figure de la Trinité. C'est pas évident. C'est pas évident, ce jeu qu'on a fait entre les lettres latines et les lettres grecques, qui ont été faites à la façade d'une église, c'est pas une cathédrale, c'est pas n'importe quelle église, avec une très belle inscription, qu'on ne comprenait pas bien, mais le P, c'est le Père, évidemment, le A, c'est le Christ qui est l'alpha, qui est le début, et le X, c'est c'est l'Esprit Saint qui dépend du Père et du Fils, et le X est une lettre double, dépend du Père et du Fils. Bon, je peux vous donner les références des auteurs, mais voilà, c'est ça aussi. C'est toute une culture médiévale. Il faut être pénétré de la culture médiévale pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on a voulu nous dire. Ce qui veut dire que les gens qui, à cette époque-là, écrivaient, faisaient ces inscriptions, avaient une culture importante. Pour avoir cette subtilité-là. Oui, oui, tout à fait. Il y en avait des cultures très, très, très importantes, c'est très évident. Et puis, il y avait aussi des formulaires qui circulaient. Il y avait des recueils de formules qui circulaient. Et donc, on pouvait être savant à bon marché. Donc, on peut trouver telle inscription se trouve dans une petite église de Dordogne insignifiante. Et elle se trouve aussi dans le cloître de la cathédrale romane de Monreale en Sicile. Bon, voilà, bon, probablement par des voies de manuscrits. Par rapport à la... Quand on essaie de se plonger dans cette époque, de se rapprocher des gens qui vivaient à cette époque-là, vous pensez que beaucoup de personnes pouvaient lire ces inscriptions ou ça s'adressait à quelques privilégiés qui avaient eu accès à l'éducation, parce que... Alors, ça s'adressait d'abord aux lettrés, et d'abord aux clercs, c'est évident. Mais plus on avance, plus ça s'adresse à tout le monde. C'est au XVe siècle, on ne peut pas dire que les inscriptions soient réservées aux gens de lettres, aux gens universitaires ou autres, si vous voulez, tout le monde peut lire. Je change un tout petit peu de sujet. Qu'est-ce que vous pensez de la discipline aujourd'hui, de l'épigraphie en France? J'en pense beaucoup bien. Mais encore. Non, je pense que c'était un domaine que tout le monde connaissait. Surtout les historiens de l'Antiquité, puisque eux n'ont pas les manuscrits, n'ont pas de texte, ils ont essentiellement les inscriptions. Donc, eux, on en a besoin de façon essentielle. Pour les médiévistes, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de manuscrits, de textes, de parchemins. Donc, on a fait l'histoire pendant longtemps sans s'occuper vraiment des inscriptions. Or, je crois que l'épigraphie est une source complémentaire. C'est une source écrite. Alors, il y a les sources écrites dans les livres, puis il y a les sources écrites sur la pierre ou sur le vitrail ou sur le peinture, dans les peintures murales. Donc, ça, il faut le prendre comme ça. Et les jeunes épigraphistes? Je vois ici à Poitiers, il y a des équipes assez. Jeunes, assez oui. Jeunes, qui alors, ont pris cette aventure en marche avec vous. Je reviens un tout petit peu, presque un petit peu, enfin, sur votre question précédente, tout ce qu'on peut apporter à l'histoire, mais il y a aussi à l'histoire de l'art, pas seulement à l'historien pur et simple et pur et dur, si vous voulez, mais à l'historien de l'art. Parce que l'historien de l'art, il a interprété une scène, une sculpture, une peinture, un objet d'orfèvrerie. Et bon, quand il y a une inscription, il faut se dire qu'on a voulu nous donner l'intention de l'auteur. L'intention de l'auteur. Alors, bon, pas s'il s'agit simplement d'identifier la scène, de dire qu'ici il s'agit de Moïse et là de Joseph, ça c'est pas plus que ça. Mais
Le texte qu'on a choisi, la façon dont on l'écrit donne des indications très, très, très précieuses sur la façon dont on avait envisagé le programme. Exemple, si vous voulez, dans toutes les façades des églises, enfin, dans les œuvres, il y a très souvent le Christ qui est représenté, et avec des inscriptions disant « Moi, je suis celui qui est », c'est l'inscription classique, « Je suis la lumière du monde, je suis le bon pasteur, je suis la voie, la vérité et la vie, etc. » Bon, ils ont ça sur un... les auteurs ont représenté ça sur un parchemin, pas sur un parchemin, sur une tablette, sur un ruban, sur une banderole, bon, d'accord. Bien des historiens d'historiens de l'art étudient, bon, il dit, voilà, il y a le Christ en majesté dans la façade, point. Mais si on a voulu dire qu'il était la lumière du monde, qu'il était la voie, la vérité, la vie, qu'il était le bon pasteur, c'est une intention différente. Et parfois, ça se retrouve dans l'iconographie. Donc il faut être très attentif à tous les liens qu'il y a entre le texte et l'image. Quel conseil vous nous donneriez à des réalisateurs, des gens qui travaillent justement dans le dialogue entre l'image et le son? Quel conseil vous pourriez me donner dans mon travail du rapport de l'image et du son? Je crois que je prendrais... Enfin, il y a des œuvres qui s'y prêtent. Et d'autres qui s'y prêtent moins. Mais mettons, vous connaissez peut-être Poitiers, non? Pas beaucoup. Non, pas du tout. On va découvrir. Allez découvrir. Je pense à la façade de l'église Notre-Dame-la-Grande, qui est connue mondialement. Bon, il y a une frise avec Adam et Ève, avec le roi Nabucodonosor, avec quatre prophètes, avec l'âme de Jessé, avec la Visitation, avec la Nativité, avec le bain de l'enfant. C'est toute l'histoire de l'incarnation qui est là. L'histoire de l'incarnation, mais qui était annoncée dans l'Antiquité, qui a sa source avec la faute d'Adam et Ève. Adam et Ève ont fait une faute, donc le Christ vient la réparer par son incarnation, d'un bout à l'autre de la chaîne. Et puis les quatre prophètes nous disent des choses qui annoncent déjà l'incarnation. Mais ces quatre textes qui sont sur les phylactères des quatre prophètes, si vous allez regarder, vous ne les verrez pas bien, mais quand on a une bonne photographie, on les voit bien. Ou quand on a la chance de monter sur les échafaudages pour les voir de près. Bon, donc on connaît ces textes-là. Ce sont des textes qui se rapportent à un sermon qui a été fait au début du 5e siècle par un évêque de Carthage. C'est un sermon qu'on a prêté longtemps à saint Augustin. Alors saint Augustin, c'est la grande référence, donc le sermon était très connu au Moyen Âge. Et on est assuré maintenant que c'était un évêque de Carthage qui s'appelait Quod vult Deus, c'est-à-dire ce que veut Dieu. Quod vult Deus, que veut Dieu. Bon, eh bien, ce texte-là, c'est un sermon qui est fait pour essayer de convertir les Juifs, pour dire aux Juifs, le Messie que vous attendez, il est déjà arrivé. Et puis, c'est pas moi qui vous le dis, ce sont les auteurs que vous connaissez. Ce sont les prophètes qui l'ont déjà annoncé. C'est le roi Nabucodonosor qui a reconnu le dieu de Daniel comme étant le dieu des dieux. Et c'est toute cette histoire-là qui a été mise en scène dans les mystères dans le jeu d'Adam, par exemple, qui devait être joué sur les parvis, qui a été joué au point de vue liturgie dans les églises, au moment de Noël. C'est ces textes-là qui annoncent l'incarnation qui sont sur la façade. Et à l'intérieur de l'église, il y a des peintures murales qui sont malheureusement assez effacées, mais dans les peintures romanes qui sont un programme extraordinairement riche et complet, au-dessus du cœur, il y a
la Vierge qui tient l'enfant sur ses genoux, avec une inscription qui est autour d'elle dans la mandorle qui l'entoure, une inscription qui est connue par ailleurs, et qui est un texte métrique qui dit « Dans le sein de la mère repose la sagesse du Père ». C'est une femme, mais elle est mère de Dieu. Elle est entourée des saintes femmes. Il y a ensuite le Christ en majesté qui est entouré des apôtres. Il y a ensuite l'agneau de Dieu avec la résurrection des morts. Donc c'est un programme qui montre à la fois que on vénère la Vierge en tant que femme et en tant que mère de Dieu. Et dans le rond-point du cœur, il y a des inscriptions qui n'avaient pas du tout été utilisées, parce que les historiens de l'art avaient dit « c'est des peintures qui ont été très refaites au 19e, c'est vrai pour la moitié d'entre elles, seulement la moitié d'entre elles, et donc on ne s'en occupe pas ». Mais j'ai étudié le programme, j'ai découvert ça il y a 3 ou 4 ans, 4 ou 5 ans. Et il y a deux sibylles, des prophétesses païennes, qui sont censées avoir annoncé aussi la naissance du Seigneur. Il y a les quatre grands prophètes. Les scènes ne sont pas touchées, là. Les historiens de l'art auraient pu les regarder tels quels. Et puis il y a le roi David et le roi Salomon, qui, eux, ont été très, très, très retouchés. Et tout le programme qui est à la base du rond-point du cœur, donc toutes les colonnes qui supportent la voûte où il y a les peintures de la Vierge et du Christ en majesté, toutes ces inscriptions disent, la moitié disent « il est homme », la moitié disent « il est Dieu ». Ben, c'est un programme qui vaut quelque chose, enfin, toute une liturgie, toute une connaissance aussi, et toute une communication avec le public, toute une mise en image d'une scène que tout le monde connaît, l'incarnation, mais voilà, c'est quelque chose que vous pourriez mettre en image avec un film. Alors on parlait de son. L'épigraphie, c'est une étude aussi d'un certain silence, parce que... C'est un silence. Mais vous, avez-vous une musique intérieure à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des sons qui peuvent être arrivés à votre esprit au moment où vous êtes face à ces inscriptions, vous les étudiez? Est-ce que vous avez... Alors, ça devient personnel. C'est pas de l'étude de l'épigraphie. Alors là, c'est très subjectif. Mais bon, c'est vrai que quand on est dans un ensemble comme le cloître de Moissac, ou enfin, dans des endroits qui sont, il y a des inscriptions de façon, dans le cloître de Montréal, qui sont superbes, c'est vrai qu'on a envie d'entendre Jean Grégorien ou autre part derrière pour mettre tout ça en valeur, ça c'est sûr. Vous écoutez de la musique? Moi oui, musique classique. Enfin, chacun a ses goûts, hein. Mais moi, c'est vraiment la musique classique, notamment la musique du XVIIe, XVIIIe siècle. Jean-Sébastien Bach, c'est le meilleur. Je vous parle de ça parce que je me dis que quand on étudie l'épigraphie, comme vous le faites, vous étudiez les inscriptions, etc., ça vous, en tant qu'homme, ça vous impacte, ça vous transforme, oui, ça oriente en tant votre qu'homme, bon en sens. Et en tant que chrétien, les deux. Oui. Qu'est-ce que ça a transformé en vous? Moi, ça m'a transformé. Moi, j'ai fait des études, j'ai fait l'École nationale des chartes, donc j'ai fait des études d'un médiéviste qui devait se destiner à lire les textes du Moyen-Âge. Donc, ça m'a élargi mes connaissances, parce que j'aurais pu continuer à accumuler les documents pour reconstituer les périodes du Moyen-Âge. Mais là, bon, avec tout cet élargissement de culture, de toute cette connaissance d'ouvrages que je n'aurais jamais eu l'occasion vraisemblablement d'utiliser, des textes sur la métrique latine, sur les auteurs chrétiens, sur la liturgie, sur la Bible, sur les choses très, très pointues, même sur le droit canonique, des choses comme ça, il faut
être capable de tout cerner, de tout cerner. Et ça, ça m'a élargi très largement ma culture médiévale. Et aussi, je dois dire que ça m'a conduit à participer à tout un réseau d'épigraphistes en Occident, et que là aussi, tous ces contacts de ces collègues qui travaillent sur ce même sujet, qui est un sujet neuf dans tous les pays d'Occident, ça m'a aussi beaucoup appris. Ça, c'est une transformation, un enrichissement intellectuel. Oui. Et votre enrichissement émotionnel, voire spirituel, est-ce qu'il s'est nourri aussi de vos études épigraphiques? Oui. Émotionnel, je ne sais pas si on peut dire émotionnel, mais spirituel, oui, parce que si vous utilisez utiliser la Bible et l'épigraphie, tout ça, ça en est. Ça aussi des choses qui apprennent ce que l'on fait de façon un peu routinière souvent. C'est sûr que j'assiste à des offices où je lis des choses religieuses avec un autre regard qu'un autre. C'est très évident, c'est très très évident. Ça peut nourrir une foi personnelle ou ça peut au contraire amener un certain recul? Je ne vois pas pourquoi ça ferait un recul. Ça peut nourrir une foi personnelle. Oui, ça peut nourrir une foi personnelle. Dans les jeunes générations d'épigraphistes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous surprend chez eux? Ben, je pense que eux, ils sont moins bien armés que je ne l'ai été. Bon. Moi, j'ai 90 ans. Donc, j'ai connu l'Église avant Vatican II. Et donc, c'était toute une liturgie, toute une façon de célébrer sa foi, si vous voulez, qui était encore très, très, très proche de ce qu'on connaissait au Moyen-Âge. Ça, c'est vraiment un défaut de la liturgie pendant des siècles, de ne pas avoir bougé, il aurait dû suivre la société, si vous voulez. Et donc, il y a des choses que je perçois, moi, presque immédiatement, parce que récemment, dans un office, c'était à la Pentecôte, le prêtre a dit, aujourd'hui, puisque c'est la Pentecôte, on va prendre le credo de Nicée. Mais pour le credo de Nicée, qu'est-ce que ça veut dire pour les jeunes? J'avais un de mes petits-fils à côté, qu'est-ce que tu sais ce que c'est? Non, pas du tout. Non, voilà, bon. Tout ça nourrit la façon de prier et devient tout à fait différente. À Chypre, vous avez une inscription, je ne sais pas si vous l'avez photographiée, elle est répertoriée dans l'ouvrage Lacrimae Christi, qui donne l'inscription du Je vous salue Marie, qui est censé être sur une pierre, dans une inscription chypriote médiévale. L'auteur qui a publié l'inscription est partielle, on n'a lu que une première partie, l'a traduit comme étant le Je vous salue Marie. Mais si vous étudiez bien les choses comme il faut, vous savez que le Je vous salue Marie, il n'existe pas au Moyen-Âge, tel qu'on le connaît aujourd'hui. On ne connaît que la première partie de Je vous salue Marie. La seconde partie de Je vous salue Marie, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, bon, ça ne date que du XVIe siècle. Donc l'inscription chypriote, c'est pas bon. Quel regard vous portez sur le premier travail qui a été fait sur lequel s'appuie Estelle, sur le relevé du corpus chypriote? Ben, je pense qu'il est utile. Il donne des textes, il les localise, il les photographie, donc ça, tout ça c'est très très positif. Mais je pense qu'il manque un petit peu tout un arrière-plan de culture médiévale que Estelle, dont Estelle dispose, et qu'on peut la comprendre mieux, on peut faire mieux, mettre plus en valeur, disons, les inscriptions. Les inscriptions, elles sont ce qu'elles sont, elles restent, on les a copiées, mais pour le mieux les interpréter, on est aujourd'hui mieux armé. Comment vous voyez justement l'épigraphie dans les années à venir? Même, allez, soyons
dans les 100 ans à venir. L'avenir de l'épigraphie pour les prochains 90 ans. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Cet apport des disciplines, de la technique, j'espère que qu'elle contribuera à élargir l'esprit des médiévistes de façon générale. Bien sûr, on peut faire l'histoire d'un roi, on peut faire l'histoire d'une société, mais c'est une société chrétienne. Il y a aussi des éléments chrétiens qu'on trouve dans les auteurs chrétiens, qu'on trouve dans les épitaphes, qu'on trouve dans les inscriptions, dans les scènes qui sont peintes dans les églises ou qui sont peintes dans les vitraux. Tout ça, si on n'interprète pas comme il faut, ou si on le laisse de côté, on s'appauvrit, ou du moins on ne s'enrichit pas. Disons plus gentiment, on ne s'enrichit pas. Donc je crois qu'il faut avoir l'esprit le plus ouvert possible. Et bien, de toute façon, l'épigraphie fera des progrès, c'est sûr. J'ignore même jusqu'où elle ira, parce que je ne suis pas devin, mais la science progresse, de toute façon. Donc, chacun apporte sa pierre. L'épigraphie n'est plus ce qu'elle était quand je suis arrivé ici où il n'y avait rien, c'est sûr, donc j'ai participé à la faire grandir, mais d'autres participeront à la faire grandir. Le travail qui se fait actuellement sur le Moyen-Âge latin sera très important pour une meilleure connaissance un petit peu de l'épigraphie. Je crois qu'il y a, toute une différence entre quand je suis arrivé ici, où j'ai dû enseigner l'épigraphie, mais je n'avais rien pour l'enseigner. Et je ne savais rien pour l'enseigner. J'étais en avance de 8 jours sur mes étudiants, tout à fait au début. Bon. Il y a toute une différence entre aujourd'hui ma culture épigraphique et celle que j'ai aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment un enrichissement personnel profond, mais je crois que pour les jeunes générations aussi, ils apporteront des choses différentes et les moyens techniques seront différents. Il y a des progrès qu'on pourra faire à l'avenir qu'on ne pouvait pas faire de notre temps, ça c'est très évident. Mais la constitution de ce cerveau de synthèse, j'allais dire entre guillemets. Eh bien, il faut du temps. Il faut du temps, il faut du temps, il faut de l'ouverture d'esprit, il faut travailler. J'ai jamais cessé un. Vous voyez, dès le premier jour de ma retraite, j'ai commencé à travailler. Il y avait, pour un manuel d'épigraphie, il n'y en avait pas, mais qu'on m'avait demandé. Donc, je crois que ça fait vivre. La recherche, ça fait vivre. Il faut presque dire que c'est un sacerdoce. Non, je n'irai pas si loin que ça, mais. C'est important. Et puis, encore une fois, vous parliez de gens, de spécialistes, vous aviez parlé d'un tailleur de pierre, je ne sais pas si c'était Grégoire qui était avec vous, bon, voilà. Ben oui, ça, c'est un apport supplémentaire, c'est sûr. C'est évident. Et là, l'intérêt du centre de Poitiers, c'est que c'est un centre qui, dès le départ, s'est voulu pluridisciplinaire, donc en trois parties, histoire de l'art et littérature. Or, moi, il y a des problèmes pour lequel je suis moins bien armé, tel que la littérature médiévale. Bon. Quand j'ai un problème, je vais demander à des collègues de littérature médiévale. Bon. On peut s'entraider les uns les autres. Est-ce que c'est la caractéristique de l'épigraphie, cette ouverture vers toutes les autres compétences? Est-ce que vous êtes, je vais pas dire, une forme d'exemple dans la manière d'aborder la recherche par rapport à d'autres disciplines? Est-ce qu'on peut s'inspirer de l'épigraphie dans cette ouverture justement à faire travailler ensemble des compétences différentes? Oui, ben moi, j'ai fonctionné comme ça et je crois que j'ai eu raison. Bon, d'accord, mais je pense qu'on peut. C'est une question d'ouverture d'esprit. Donc on peut aussi, dans d'autres domaines, les historiens de l'art par exemple, peuvent aussi avoir, ou bien une étude un petit peu fermée comme ça. Je connais un historien de l'art que j'aimais beaucoup, qui était un pur, comment dire, sans vouloir le dénigrer, qui était laïque, si vous voulez. Il étudiait des choses religieuses
Alors, il étudiait parfaitement une sculpture en disant là c'est un trait comme ça, un trait comme ça, un trait comme ça. On le retrouve à droite, on le retrouve à gauche. Mais le fondement général, ça lui échappait totalement. C'est pas de sa faute. Il était en plus extrêmement tolérant. Donc, encore une fois, je l'aimais beaucoup. Mais bon, si on étudie un domaine du Moyen-Âge dans son ensemble, on ne peut pas faire l'économie d'une culture qui est une culture chrétienne. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Attendez, si j'ai bien compris, si on n'a pas la foi, à un moment donné, on passe à côté. Non, on passe à côté de certaines choses. Non, je respecte trop les gens qui n'ont pas. Non, mais c'est intéressant. Non. Mais si vous étudiez, je ne vais pas me mettre à étudier la civilisation, enfin, l'histoire musulmane, parce qu'il y a toute une facette que je ne pourrais pas rendre. C'est clair. Je crois que là, il y a un rapport entre sa personnalité, sa culture, sa foi, et puis sur quoi on travaille. Oui, c'est pas parce qu'on aime la musique qu'on est musicologue, si vous voulez. Il y a toute une partie technique qu'il faut aussi avoir. Et puis dans la partie technique, j'imagine que pour les musicologues, il faut aussi qu'ils élargissent peut-être à des musiques tout à fait modernes, contemporaines, qui, moi, m'échappent. Bon, mais il faut garder l'esprit ouvert, moi, je crois que... Et puis, respecter chacun sa culture. Hein. Pourriez-vous nous dire un mot sur Estelle? Quand vous l'avez rencontrée la première fois, vous vous en souvenez? Oui, parce qu'elle n'était pas disposée à faire de l'épigraphie. Non. C'est dans les uns de mes articles qu'elle a décidé de faire de l'épigraphie. Bon, elle l'a même cité dans sa thèse de doctorat sur l'épigraphie. C'est une femme, je peux dire jeune femme parce que moi je suis vieux, qui est remarquable par sa culture et par son ouverture d'esprit. Et je suis heureux que l'épigraphie ait eu, après ma retraite, si vous voulez, pour continuer le travail ici, deux épigraphistes de jeunes qui étaient d'une qualité supérieure, l'un et l'autre, Vincent puis Estelle. J'ai beaucoup de sympathie pour elle, ça c'est évident, et beaucoup d'estime pour elle. Ben, vous avez dû vous en rendre compte en travaillant avec elle. Vincent travaillait sur l'épigraphie médiévale, alors qu'il y avait encore peu de gens qui travaillaient sur l'épigraphie médiévale. Moi, au début, j'ai peu encouragé les jeunes à faire de l'épigraphie médiévale, parce qu'il fallait, après qu'ils puissent avoir un métier. Si c'était une discipline trop pas encore assez connue, ils risquaient d'y avoir des difficultés pour trouver leur truc. Donc, il a commencé à travailler sur l'épigraphie, il a fait une très bonne thèse, et il s'est trouvé que le poste qui était ici occupé précédemment s'est trouvé vacant, et il a pu l'avoir aussitôt. Donc il a une continuité parfaite, mais c'est aussi un garçon qui a une grande qualité, et qui fait maintenant des publications qui font honneur à l'épigraphie. Enfin, je pense qu'on l'a perdu quand il a fait comme Estelle, quand il est passé au grade supérieur dans les fonctions publiques, dans le CNRS. Maintenant on perd, sans la perdre, Estelle, maintenant pour l'épigraphie médiévale ici à Poitiers, mais ils participent largement, l'un et l'autre, au rayonnement de l'épigraphie en Europe. Qu'est-ce que vous pensez de la transmission après vers le grand public? Comment faut-il faire? C'est peu connu, l'épigraphie, par le grand public. Oui, c'est peu connu. Mais bon, il y a beaucoup d'éléments. Si vous prenez le grand public, il ne sait pas non plus au courant
de ce que c'est que la sigillographie, que la numismatique, que l'héraldique, que la philologie. Bon, c'est des domaines spécialisés. Bon, après, il y a le travail fondamental de la recherche à partir des sources épigraphiques ou autres, et de leur transmission dans des ouvrages scientifiques avec toutes les références utiles. Et puis, il y a un deuxième niveau, c'est le niveau de la vulgarisation. Alors ça, bon, il y en a qui font à la fois le travail scientifique de fond et la vulgarisation. Je pense à quelqu'un comme un historien qui était très connu, Georges Duby, par exemple, qui était évidemment qui avait une culture large, qui en a fait beaucoup profiter le grand public. Mais on peut être ou bien un chercheur pur et dur, enfin c'est peut-être un peu difficile, ou bien à la fois chercheur pur et dur et vulgarisateur. On peut être aussi un vulgarisateur sans avoir jamais fait de culture scientifique. Bon, mais il est sûr qu'il faut vulgariser les connaissances que l'on contribue à bâtir. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire? Si vous allez visiter telle ou telle église, tel ensemble de peintures murales, si vous allez visiter Saint-Savin avec toutes ces peintures murales exceptionnelles, ou bien les vitraux de Chartres, de Bourges ou autres, vous pouvez admirer, trouver que les couleurs sont belles, regarder, bon, passer. Si vous essayez de voir un petit peu plus loin quelles sont les scènes qui sont représentées, pourquoi est-ce qu'elles sont représentées, pourquoi il y a des textes qui les expliquent en plus de la représentation, là, ben, vous enrichissez votre culture. Bon. Alors, vous n'êtes peut-être pas à même de le faire parce que vous n'avez pas la formation pour le faire, mais il y a des ouvrages qui le font. Et donc, vous pouvez aussi les utiliser pour mieux comprendre une œuvre. Je vois très souvent dans les édifices, dans les monuments historiques, je vois des visiteurs qui aiment bien l'histoire de l'art et qui aiment bien tout ce qui est une belle culture ancienne, enfin, la culture romane, particulièrement à Poitiers par exemple. Mais ils entrent dans une église, ils prennent le bas-côté sud, ils font le tour, ils reprennent le bas-côté nord, ils ressortent. Bon, ils ont plein d'images jolies, belles dans la tête, mais ils peuvent aussi y passer trois quarts d'heure en regardant ce qu'on propose comme explication, ou bien acheter un ouvrage pour se documenter davantage. Ben, il y a tous les niveaux possibles. Mais croyez-moi, toutes les œuvres d'art que nous avons dans notre culture en France ou autre, elles peuvent nous apporter beaucoup, à condition qu'il y ait des historiens qui fassent, des gens qui fassent la recherche au départ, il y a des vulgarisateurs qui la mettent à la disposition du public, et que le public, il aille chercher aussi la documentation. Et est-ce que l'épigraphie permet d'appréhender le monde d'aujourd'hui? Quel regard... Est-ce que ça vous permet d'avoir un regard particulier ou une compréhension particulière de notre monde contemporain? C'est presque antinomique. L'épigraphie, c'est ce qui dure, c'est ce qui est fait pour toujours. On a fait une inscription, c'est pas pour un temps donné ou autre, c'est pour apporter un document, enfin, communiquer un élément d'information, enfin, de connaissance, qui va être à la disposition de tout le monde pendant tout le temps. Notre monde aujourd'hui, c'est la publicité, c'est là, ça passe et ça repasse. Ce qu'elle pourrait nous apporter, l'épigraphie, c'est qu'il faudrait de temps en temps se poser et faire le point tranquillement, mais pas tout le temps être en train de courir. La communication qui est faite par le moyen de l'épigraphie, qui est la communication, c'est une communication. Au Moyen-Âge, on n'a pas les moyens modernes pour faire connaître les choses. Donc il y a beaucoup de choses que l'on connaît grâce à l'épigraphie pour le Moyen-Âge. Aujourd'hui, on ne va pas avoir une culture uniquement en regardant les bandes publicitaires ou les panneaux pour faire la vente de la promotion d'un produit.
En fait, c'est la publicité qui a pris. C'est malheureusement, je veux dire, la publicité qui a pris cette place. Oui, mais c'est l'épigraphie, c'est un moyen de publicité. Publicité de quelque chose. Mais quelque chose qui est appelé à durer. Et qui n'a aucune espèce. Enfin, qui n'a généralement pas la volonté de faire du triomphalisme. Voilà, elle apprend, elle veut apprendre quelque chose, si vous voulez. Aujourd'hui, les médias, c'est différent, mais bon, c'est une autre civilisation. Il y a aussi, dans Graphiste, il y a Clément qui travaille sur les graffitis. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Les graffitis, c'est un petit peu de comment dire, c'est de l'épigraphie à la sauvette. J'ai étudié les inscriptions de Saint-Savin, parce que c'est ma ville natale, avec les peintures murales et tout. Mais en même temps, il y a des inscriptions sur les autels. Bon, elles sont fondamentales et elles nous apprennent aussi des choses beaucoup sur l'abbaye. Mais derrière chacun des autels romans à Saint-Savin, il y a des pèlerins, des gens qui sont passés, qui ont mis leur nom. Il y en a une trentaine qu'on conserve comme ça, qu'on a découvert simplement en faisant le relevé de ce qui était vraiment bien inscrit, pour dire ça, là c'est l'hôtel des Vierges, là c'est l'hôtel des Martyrs, là c'est l'hôtel des Confesseurs, etc. Bon, simplement la lampe électrique, pas vos trucs, parce qu'on n'avait qu'une lampe électrique à l'époque, a fait ressortir ces textes, ces graffitis. Il y a une trentaine de noms qui se sont rajoutés comme ça. Ça ne va pas bouleverser l'histoire. Mais ça nous apprend encore quelque chose de plus. Il y a des inscriptions qui sont en graffiti sur des autels, probablement pour être plus près du lieu de sacrifice. Il y a des graffitis qui peuvent être rajoutés comme ça, au passage, en bas d'un enfeu médiéval. Je pense à l'église Saint-Hilaire-le-Grand, ici à Poitiers. C'est à ne pas négliger, ça apporte quelque chose, mais ce n'est pas l'épigraphie fondamentale. Ce n'est pas l'épigraphie fondamentale. Peut-être que ça oblige à un travail supplémentaire, parce que c'est l'écriture en cursive et non pas en capitale, pour que tout le monde puisse lire, puisque l'épigraphie est faite pour que tout le monde puisse lire. Peut-être que ça ouvre un champ sur une dimension sociale différente que l'épigraphie fondamentale, parce que c'est d'autres personnes qui font les graffitis, c'est une autre... C'est plus spontané, oui, ça dit quelque chose de l'époque aussi, peut-être. Oui, mais bien sûr, mais c'est pas à négliger du tout. Mais c'est pas... Je n'écrirai pas un manuel sur les graffitis. Parce que c'est trop... C'est trop spontané, trop. Il n'y a pas d'explication spéciale pour dire à telle époque on a graffité telle manière, à telle époque telle autre. Non. Mais le graffiti peut être plus que simplement mettre son nom, c'est le plus courant, mais peut avoir mettre des choses importantes. Vouloir mettre quelque chose de soi-même que l'on veut graver, tenir dans la pierre, si vous voulez. Mais ce n'est pas fait comme les textes proprement épigraphiques, pour être mis sur la pierre, pour être communiqué à tout le monde en public. Ce ne sont généralement pas des textes qui sont faits pour être destinés à être lus pour tout le temps, si vous voulez. C'est une réaction immédiate du chercheur. C'est une légende que vous venez tous les jours à 9h, vous installez. C'est une légende, parce que le monde nous a dit « Ah, vous le trouverez tous les jours, le matin, au travail. » C'est extraordinaire. Non. Comme discipline d'esprit. Écoutez, j'ai 90 ans, je cours comme un lapin, et je travaille comme un lapin, pas comme un lapin, mais je continue à travailler, à publier. Je ne fais plus faire des choses que j'aurais pu faire quand j'étais plus jeune, puis je n'ai plus les mêmes responsabilités de toute façon. Mais ça, je crois que ça entretient l'esprit, ça entretient la vie, la personne simplement.
Et puis, j'aime ça. C'est peut-être une raison suffisante. Et quels sont vos projets, alors, de travail que? Vos projets pour les... J'ai plus de projet à long terme, je n'ai pas cette outrecuidance. Mais je continue à travailler pour aider les travaux qui se font ici. J'ai fait un fichier général des citations, des formules pour toutes les inscriptions, enfin pour les inscriptions médiévales en général. J'ai fait un fichier pour... je viens de faire afficher aussi sur le fichier biblique toutes les mentions bibliques qui sont dans les inscriptions. Et ça, je continue aussi à enrichir le fichier général des inscriptions ici, pendant que d'autres se promènent en Chypre ou ailleurs. Et donc, voilà, j'aide les jeunes, ils trouveront beaucoup de choses que j'aurais apportées en plus ici, voilà, pour ça. Il vous tarde qu'ils reviennent de mission, de cette mission autour de la Méditerranée, pour revenir s'occuper des inscriptions en France, il vous tarde un petit peu. Oui, voilà. C'est le monde entier, voilà, qui... Il y a des inscriptions partout, il y a des inscriptions dans toutes les langues, c'est les inscriptions latines qu'on travaille ici, mais bon, il y a toutes les inscriptions grecques aussi dans le Moyen-Orient, donc il y a les inscriptions juives aussi, ça fait partie de la culture. Mais on n'est pas spécialiste de tout. C'est le hasard qui vous a fait étudier l'épigraphie? Ben écoutez, pendant 10 ans, j'ai travaillé à la direction aux archives de France. À la direction des archives, aux archives nationales, aux archives départementales. Et là, le directeur du centre d'études médiévales, que je connaissais depuis longtemps, est venu à me chercher en 68, c'est une année repère quand même, et il m'a dit, voilà, on réunit des photos à la photothèque ici, il y a beaucoup de textes sur les photos, puis on ne sait pas comment les traiter, il n'y a personne qui travaille sur les inscriptions. Je voudrais que vous veniez à Poitiers pour faire un enseignement d'épigraphie médiévale. Très bien. Moi j'ai réfléchi aussi beaucoup. Bon, mais Poitiers c'était quand même mon champ de recherche habituel. Il y avait mes parents, mes beaux-parents n'étaient pas bien loin. Bon, je connaissais bien le centre aussi. Et j'avais aussi la richesse des livres, des ouvrages, des moyens de travailler. Donc j'ai dit oui. Et je suis venu travailler ici à partir de janvier 69. J'ai enseigné l'épigraphie médiévale à partir de 69. Il y a des choses qui m'ont tout de suite sauté aux yeux, à savoir qu'on avait une conception trop simpliste de l'épigraphie. C'était lire ce qu'il y a sur la pierre et puis le dater. Comme ça, les historiens de l'art qui travaillaient sur le monument, ils disaient « Ah bon, là on date, voilà, ça donne un moyen de datation, c'est tout. » Mais non, ça veut dire quelque chose. J'ai dit, il faut étudier ce qu'on veut dire dans ces inscriptions-là. Et dès la première année, enfin, 8 mois après, j'ai fait un article sur une nouvelle définition de l'épigraphie. Ouvrons les portes, ouvrons les pays, regardons toute cette civilisation dans son ensemble. Et je veux bien réécrire aujourd'hui ce que j'ai écrit à l'époque. Et donc, voilà, au fur et à mesure, par l'enseignement pendant 25 ans d'épigraphie médiévale, par toutes les visites sur le terrain, par tous les contacts avec les épigraphistes médiévaux, j'ai acquis une culture sur l'épigraphie que je n'avais pas, évidemment pas. Mais le plaisir, à un moment, est arrivé de ces études-là. Le déclic. Le plaisir d'aller au fond des choses dans un domaine que je ne connaissais pas. Et qui apporte davantage. Mais je continue à travailler sur les manuscrits, sur les parchemins et autres. Hein. Ne croyez pas que j'oublie ça non plus, mais c'est toute une partie de mon travail. Il faut être curieux pour être épigraphiste. Il faut être curieux, puis il faut être ouvert, puis il faut être aussi humble, parce qu'il y en a d'autres qui font mieux, il y en a d'autres qui font plus, mais
on aura aidé à ce que ça y ait une base au départ. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on grave en épitaphe sur votre dernière demeure? Ben, je sais pas, une inscription telle qu'on la trouve dans d'autres textes. Fac bene dum vivis. Agis bien tant que tu vis. Ça me semble suffisant. Fac bene. Fais bien, fais de ton mieux, tant que tu vis. Je vous en prie.